Félicitations! Vous avez acheté l'un des verrous compatibles Bluetooth les plus intelligents, accessibles et pratiques sur le marché aujourd'hui. Votre peine dormant Schlage SmartSense est non seulement simple à installer et à utiliser avec des codes d'accès, il fonctionne également avec l'Apple HomeKit et peut être utilisé avec votre iPhone, iPad et iPod Touch. De plus, avec la commande vocale Siri, vous pouvez gérer l'accès à votre maison avec une facilité inégalée en utilisant votre téléphone intelligent comme votre nouvelle clé. Cette vidéo vous montrera comment installer et configurer votre serrure. Commençons! Si vous connectez votre serrure à un dispositif intelligent, maintenant serait un bon moment pour télécharger l'application Schlage Sense qui sera utilisée pour opérer et gérer votre serrure. Elle contient également d'autres informations et des ressources précieuses que vous trouverez utiles. Tout d'abord, assurez-vous que vous avez un appareil ainsi qu'un système d'exploitation compatible. HomeKit exige un iPhone, iPad ou iPod avec un système d'exploitation 8.1 ou ultérieur. Pour vérifier, allez à l'écran d'accueil. Cliquez sur « Réglages général », puis sur « À propos de ». Nous vous recommandons de mettre à jour la dernière version d'iOS. Maintenant, pour obtenir l'application, recherchez dans l'App Store pour Schlage Sense et le télécharger. Vous devez compléter votre installation et la configuration avant de tenter d'ajouter une nouvelle serrure avec l'application. Avant de commencer, voici quelques conseils importants afin d'assurer une installation réussie. Premièrement, suivez l'ordre des étapes d'installation. Deuxièmement, attendre les instructions pour installer les batteries car cela déclenche une séquence pour la configuration qui est nécessaire après avoir installé la serrure. Enfin, ne vous inquiétez pas si vous faites une erreur. Votre serrure a intégré une option de réinitialisation du réglage d'usine. Effectuer le processus de réinitialisation est simple et remet votre serrure aux paramètres d'usine. Et si vous déplacez la serrure pour une nouvelle porte, vous devez réinstaller la serrure. Référez-vous au guide de l'utilisateur ou à des vidéos additionnelles comme celui-ci pour plus d'informations. Maintenant, voyons les outils qui seront nécessaires. Si vous avez une porte réglementaire qui a été préparée selon les normes actuelles de l'industrie, les seuls outils dont vous aurez besoin sont un ruban mesuré, un tournevis Phillips numéro 2 et un tournevis à tête plate. Si vous utilisez le pen à insérer, vous aurez également besoin d'un marteau et d'un bloc de bois. Nous verrons cela plus tard. Vous pouvez utiliser un tournevis électrique, mais n'utilisez pas une perceuse électrique ou sans fil pour serrer les vis, car il pourrait facilement endommager le filetage ou même endommager le verrou. Maintenant, nous allons créer une liste de contrôle des questions qui devront être répondues. Si vous ne pouvez pas cocher tout sur la liste, vous devrez sans doute ajuster la porte ou le cadre. Commençons par jeter un coup d'œil à votre porte et votre cadre actuel afin de vous assurer qu'ils sont correctement alignés et que les trous ont été correctement percés pour votre nouvelle serrure. Parce que votre Schlage Sense dispose d'un pen dormant motorisé automatique, il est nécessaire que la porte et le jambage sont correctement alignés. Vérifions votre serrure actuelle. Vous devriez être capable de verrouiller la porte sans pousser, tirer ou de soulever la porte et l'alignement de votre porte doit rester le même dans des conditions météorologiques changeantes. Maintenant, retirez toute serrure existante et vérifiez les dimensions de vos portes et de vos cadres. Assurez-vous que vous avez un minimum de 5 pouces entre le centre du trou de serrure à peine dormant et le centre de tout autre loquet sous le peine dormant. Assurez-vous que les mesures de diamètre de perçage transversal sont de 2 pouces et 1 huitième ou 1 pouce et demi. Que le retrait mesure soit 2 pouces et 3 huitièmes ou 2 pouces et 3 quarts. À partir du bord de la porte au centre de l'alaissage transversal, que l'alaissage de verrouillage mesure 1 pouce de diamètre et que l'épaisseur de la porte soit entre 3 huitièmes de pouce et 1 pouce et 3 quarts. Si votre porte a plus de 1 pouce et 3 quarts d'épaisseur, vous pouvez vous procurer une trousse personnalisée pour porte. Contactez le service à la clientèle pour assistance. Enfin, assurez-vous que le trou percé dans le montant de la porte a une profondeur d'au moins 1 pouce pour le pen dormant. Si vous ne pouvez pas cocher tout sur cette liste ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires, nous sommes là pour vous aider. Visitez-nous en ligne à schlage.com ou appelez le service à la clientèle au 800-900-4734. Maintenant que votre porte est prête, nous allons jeter un regard sur les composantes de votre serrure. L'enveloppe de documents contient les instructions d'installation et le guide de l'utilisateur. L'ensemble écran tactile, l'enveloppe de la quincaillerie et enfin l'assemblage d'alarmes.
Maintenant, prenez un moment pour localiser votre guide de l'utilisateur. Sur la couverture, vous trouverez des codes importants que vous utiliserez plus tard pour compléter votre installation. Assurez-vous de ranger votre guide de l'utilisateur dans un endroit sûr et pratique pour références futures. Si jamais vous égarez votre guide de l'utilisateur, ces codes peuvent également être trouvés à l'endos du montage de l'alarme. Une fois déballé, prenez un moment pour localiser et identifier toutes les pièces de votre serrure telles que décrites ici. Vous commencerez par installer le PEN. Le PEN est livré avec une plaque de face rectangulaire déjà attachée avec les coins arrondis, mais vous pouvez changer pour une plaque de face à insérer si votre porte l'exige. Vous rappelez-vous des mesures de la broche que vous avez prises plus tôt pour déterminer la longueur de PEN appropriée? Si votre porte a une broche de 2 pouces et 3 huitièmes, aucun ajustement n'est nécessaire. Si la broche de votre porte est de 2 pouces et 3 quarts, le PEN peut facilement s'ajuster en tournant simplement la plaque de face telle qu'indiquée. Si vous utilisez la plaque de face rectangulaire, simplement glissez le PEN en place avec le mot « top » sur le PEN vers le haut et fixez avec les deux vis courtes fournies. Si votre porte nécessite la plaque de face ronde, il suffit de remplacer la plaque frontale rectangulaire avec la plaque ronde fournie. Voir votre guide d'installation pour plus de détails. Avec le PEN rétracté, appuyez sur le PEN de niveau avec le bord de la porte en utilisant un bloc de bois pour protéger le PEN. Maintenant, installez le gage dans le cadre de la porte. Installez la plaque de renforcement, assurant d'abord que la plaque est orientée vers la porte correctement, telle qu'indiquée sur la plaque. Fixez la plaque avec une longue vis de renforcement. Votre serrure vient avec un renforcement de gage optionnel. L'installation de cette plaque permettra de renforcer votre cadre de porte et d'ajouter une sécurité supplémentaire à votre maison, mais peut exiger un peu de travail supplémentaire pour le cadre de la porte. Si vous avez une lumière latérale, il se peut que vous deviez utiliser des vis plus courtes. Installez la plaque de gage sur la plaque de renforcement en utilisant les deux vis les plus courtes. Avant de continuer, vérifions que le PEN et le gage sont correctement alignés. De l'intérieur, fermez la porte et faites l'essai en insérant le tournevis à tête plate dans la fente du PEN. Tournez le tournevis de 90 degrés du côté du bord de la porte pour allonger le PEN. Le PEN devrait s'insérer dans la gage complètement et sans effort. Sinon, vous devrez ajuster votre gage ou le montant de la porte jusqu'à ce que le PEN tourne librement. Ensuite, installez l'écran tactile sur l'extérieur de la porte. Assurez-vous que le PEN est rétracté et égal avec le bord de la porte avant de commencer. Si votre diamètre de perçage transversal mesurait moins de 2 pouces et 1 huitième, vous aurez besoin d'enlever le support Snap and Stay avant de poursuivre. Pour ce faire, il suffit de retirer la vis de fixation, tourner et retirer le support. Faites passer le câble sous le PEN en alignant le bout avec la fente du PEN et fixez-le en place. Les attaches Snap and Stay aideront à maintenir l'écran tactile en place. Maintenant, positionnez la plaque de support à l'intérieur de la porte, telle qu'indiquée par les marques écrites « Top » et « Against the Door ». Passez le câble à travers la fente à la base et fixez la plaque avec les deux grandes vis fournies. Avant de complètement serrer les vis, vérifiez que l'écran tactile et la plaque de support soient droites. Pour installer l'assemblage intérieur, retirez le couvercle de la batterie en poussant vers le haut. Mettez maintenant le plateau de la batterie en place. Veillez à ne pas toucher la carte du circuit imprimé, ce qui pourrait endommager la serrure. Ensuite, connectez le câble à l'assemblage intérieur et centrez le point blanc sur le connecteur avec le point blanc sur le circuit imprimé. Enfilez le câble dans le canal prévu en s'assurant qu'il ne soit ni pincé ni écrasé. Bien alignez le cordier avec la fente à l'arrière de l'assemblage intérieur et glissez l'assemblage vers la porte et sur la plaque de support. Sécurisez l'assemblage intérieur à la plaque de support en insérant d'abord la vis inférieure la plus longue. Ensuite, insérez la vis la plus courte en haut. Ne tentez pas de tourner d'un tour de pouce à ce point. Pour que votre serrure fonctionne correctement, le PEN doit demeurer en retrait jusqu'à ce que la mise en place soit initiée. Maintenant, détachez le connecteur et retirez le support de batterie.
insérez les batteries en respectant la polarité, puis replacez soigneusement le plateau de la batterie avec les batteries dirigées vers la porte. Rebranchez le connecteur de la batterie et replacez le couvercle de la batterie. Votre installation est presque terminée. Maintenant, vous n'avez qu'à initier et vérifier la serrure. Pour installer la serrure, ouvrez la porte et appuyez sur le bouton Schlage sur l'écran tactile. Entrez l'un des codes d'accès par défaut à 4 chiffres fournis dans le guide de l'utilisateur. La serrure effectuera une routine d'usage pour l'installation. Attendez jusqu'à ce que le pin cesse de bouger avant de continuer. Maintenant que la programmation est complète, vérifions votre installation. Vérifions d'abord si le cylindre et le pin bougent librement. Assurez-vous que le pin est rétracté. Fermez la porte et tournez le cylindre pour verrouiller et déverrouiller la porte à plusieurs reprises. Le pin devrait bouger sans tension. Si le pin semble bloqué ou mal glissé quand on le bouge d'un côté et de l'autre, vous devez alors ajuster la plaque et le montant de la porte jusqu'à ce que l'alignement soit parfait. Maintenant, vérifiez l'écran tactile de l'extérieur. Avec le pin rétracté, fermez la porte. Ne pas vous enfermer à l'extérieur. Assurez-vous de prendre la clé avec vous lorsque vous vérifiez la serrure de l'extérieur. Maintenant, appuyez sur le bouton Schlage. Le clavier devrait s'illuminer. Le pin devrait s'étendre et verrouiller la porte. Maintenant, avec la porte verrouillée, appuyez sur le bouton Schlage. Le rétroéclairage sera visible, mais le pin ne devrait pas se rétracter. Si vous entendez le retrait du pin, il y a une erreur d'installation. Ensuite, appuyez sur le bouton Schlage, puis entrez l'un des codes d'accès par défaut de 4 chiffres que vous trouverez sur le devant du guide de l'utilisateur. Le boulon devrait se rétracter et déverrouiller la porte. Si l'un des tests a échoué, consultez la section de dépannage de votre guide de l'utilisateur ou contactez Schlage pour obtenir des conseils. Vous avez réussi! Vous avez terminé! Votre installation est complète et votre nouveau pin dormant Schlage SmartSense est prêt à être utilisé. Si vous pouvez choisir de gérer et de contrôler votre serrure en utilisant uniquement l'écran tactile ou pour une expérience complète, vous pouvez synchroniser la serrure avec votre iPhone, iPad ou iPod Touch et profiter des fonctionnalités supplémentaires disponibles via le Schlage Sense App et la technologie Apple HomeKit. Synchroniser votre serrure est simple. Ne pas oublier qu'une fois que vous jumelez le verrou avec votre téléphone, toutes les fonctions sont ensuite gérées par l'application et tous les codes ajoutés dans l'écran tactile de la serrure d'accès seront supprimés. Pour associer la serrure à votre appareil mobile, d'abord, vous assurez que votre Bluetooth est activé. Vous pouvez le faire en glissant vers le haut à partir du bas de l'écran et en activant l'icône Bluetooth, ou aller dans les paramètres de votre système pour l'activer. Ensuite, lancez l'application Schlage Sense App. Acceptez les termes et conditions lorsque demandé. Sélectionnez « Ajouter une nouvelle serrure ». Nommez l'endroit où votre nouvelle serrure a été installée, puis sélectionnez la serrure que vous voulez associer. Une fois sélectionnée, la serrure de votre porte émet un bip et une lumière clignotante confirmant la connexion. Localisez le HomeKit Setup Code sur le devant du guide de l'utilisateur. Sélectionnez Pair Lock, puis entrez le numéro lorsqu'on vous le demande. Lorsque l'application réussit à verrouiller l'écran principal, vous avez jumelé avec succès votre serrure. Maintenant, vous êtes prêt à explorer les nombreuses fonctionnalités de votre serrure et l'application, telles les paramètres d'alarme ou l'ajout de codes d'accès. Votre Schlage Sense App est rempli de ressources et d'informations utiles. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, vous pouvez aller sur le web ou nous appeler. Merci de votre attention et surtout, merci d'avoir choisi Schlage.